c'est pour faire la promotion de nos services. Pour que l'ensemble de la population, la plus grande partie, puisse être informée de nos différents services que nous offrons à la population, notamment dans le cadre du développement des énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique. 72 heures, ce que nous attendons de cette activité de promotion, c'est vraiment la visite de la population sur nos différents services. Et pour ce faire, nous avons prévu vraiment un stand, le stand que vous voyez, pour recevoir toute la population du Burkina Faso qui souhaiterait vraiment, qui est plutôt intéressée par les services des énergies renouvelables, par l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, pour les montrer un peu l'ensemble des services que nous offrons dans ce cadre. Et il faut savoir que dans le cadre des énergies renouvelables, nous assurons le contrôle qualité des équipements solaires. Voilà. Notamment les panneaux solaires, les batteries, l'onduleur. Voilà. Si, en tout cas, un ménage veut faire une installation sur son toit, il serait bon qu'avant l'installation, qu'il puisse s'assurer que les équipements qu'il va acheter soient de qualité et qu'après l'installation, qu'il s'assure que l'installation a été bien effectuée. Dans le cadre de l'efficacité énergétique aussi, nous effectuons, nous avons en charge les audits énergétiques, voilà, que nous faisons avec des auditeurs agréés aussi qui le font, et nous nous assurons que la population aussi, en tout cas, a connaissance vraiment de ces audits énergétiques. Nous avons constaté que vraiment la plupart des gens ne sont pas bien informés sur nos activités. C'est pour cela que nous organisons vraiment ces journées-là pour communiquer beaucoup sur nos services. Oui, le message, il est clair. Vous savez que le ministère de l'énergie des mines et des carrières a en charge la politique dans le secteur de l'énergie et bien aussi des deux autres secteurs. Et nous avons le devoir d'accompagner pour faire la promotion des services qui sont à son sein. Donc, ils ont l'attribution de ces services-là pour pouvoir promouvoir un certain nombre d'activités, à savoir faire les tests au niveau du laboratoire des équipements, également faire la promotion des énergies renouvelables. Oui, parce que nous sommes tous consommateurs de l'énergie et nous avons besoin de l'information pour pouvoir bien utiliser l'énergie efficacement. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ANERE organise cette campagne pour donner l'information utile aux populations pour une utilisation efficace de l'énergie que nous consommons. Nous sommes tous des usagers des énergies renouvelables. Nous pouvons être confrontés à plusieurs handicaps quant aux investissements à opérer pour garantir notre accès pérenne à l'énergie, source d'amélioration de nos conditions de vie et d'accroissement de notre bien-être. Cette opportunité est la nôtre pour nous non seulement apprendre de l'expertise de l'ANERE, mais aussi disposer de plusieurs solutions à la problématique de sources pérennes à l'énergie. J'invite donc tous les acteurs ici présents à passer l'information autour de vous, afin que les services de l'ANERE soient connus de tous.